Wow, c'est beau! T'as-tu raté un peu avec Milena? Ouais. Lui, c'est mon ami Gab. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne quand on testait des bonbons et quand on faisait de la grosse merde dans ma cuisine. Oh shit! Sauf qu'aujourd'hui, on fait un challenge dans lequel il va falloir seulement manger des bonbons pendant 24 heures. Bref, si un d'entre nous triche pendant les 24 heures, il devra faire une conséquence que vous nous avez proposée. Sur ce, enjoy parce que c'est une vidéo assez stupide parce que il y a Gab dans la vidéo, mais il y a aussi un invité spécial. Fait que là, on est allé acheter des bonbons à la commère magasin général. Sauf que là, 24 heures à juste manger cette cochonnerie-là, je pense que c'est pas très bon pour le body. Non! Ali, elle a fait beaucoup de recherches pour essayer de nous trouver un médecin qui va nous suivre pendant 24 heures parce que on fait toutes les deux attention à ce qu'on mange dans la vie et là, se retrouver 24 heures en mangeant rien que des bonbons. Excuse. Moi, je fais vraiment pas attention. Oh. Attention! Moi, c'est docteur Foussipis. Je vais juste sortir mes instruments. Pourquoi ça? Oh, c'est pas un bon sac, je pense. Ok. Fait que là, il va falloir que je prenne votre pouls. Je sais pas mes affaires. Il va falloir que je prenne votre pouls. Ok? Oh mon dieu. Vous avez pas de libido? Bah! Mon dieu. Ah, je me suis mordu à la joue. Tu veux-tu regarder? Quand je fais la flèche comme ça, tu vas vers l'arrière. Quand je fais la flèche de même, tu vas vers moi. OK? Vos réflexes sont bons. Bon, fait que là, on va passer au prochain. Prochain patient. Ça roule ici. Bonjour. Ouais. Pouvez-vous me montrer votre urètre? Faut que je rentre. Alors maintenant, je vais tester vous aussi vos réflexes. Quand je fais la flèche du haut, vous montez vers le haut. La flèche du bas, vous allez vers la gauche. La droite. La droite. Quand je fais le hockey, faut que tu fasses trois tours sur toi-même, sur une jambe, puis tu dis « je suis fucking lette ». Non! Alors ça, c'est votre test de piste, vous me dites? Oui! Ah! Nous avons trouvé les traces de stylettes. Donc là, je suis un peu stressée parce qu'ils ont les signes vitaux un peu bas, puis ils ont même pas encore commencé le challenge. Je vais vous demander d'aller prendre un bon repas. Un vrai repas. Puis après ça, vous pouvez manger autant de candy si vous voulez, votre corps va se régénérer tout. Fait qu'on a écouté les conseils du docteur Poussipis, puis on est allé s'empiffrer de sushi avant de commencer officiellement le challenge. Ah, puis mon amie Farley est arrivée, fait qu'elle va faire le challenge avec nous. S'il vous plaît, écrivez pas dans les commentaires qu'elle ressemble à Poussipis, je pense qu'elle va pleurer. Est-ce que vous avez bien mangé, les amis? Ah oui, trop. 23h59 et 59 secondes au compteur. 3, 2, 1. C'est la partie de la vidéo qu'on est content de manger des bonbons. Ça, c'est des Skittles lyophilisés. Quand même, sur elle. J'ai goûté. Avec des deux doigts même, c'est chic. Si j'en vois un, donne pas les bonbons à mon chat! Non, ça, on me Si j'en prends un qui triche, c'est une conséquence. Bitch! Pas bon. Tout le monde sait que... Non? Oh! La conséquence, la première conséquence, Gabi a triché, il boit du vin. Gab! Là, qu'est-ce que vous saoulez, ça, Madame Loubar? Ouais, vous avez bien compris. Nos deux moineaux ont décidé que c'est une bonne idée de sortir au bar. Je serai la conductrice désignée, donc je n'aurai pas la gueule de bois demain matin. Donc ce sera un obstacle de plus dans ce challenge pour Farley et Gab. Ça sent la conséquence. Conséquence numéro 1! Tu dois manger un de ces bonbons fucking épicés là. Qui a chié? C'est ça. T'es-tu épicé? Ouais. Fais-moi sentir ta gueule. Non. Ça sent la marde vraiment. Suite à ça, ben, on a commencé à se préparer pour aller au bar. Puis par se préparer, je veux dire que moi, j'ai rien fait. Parler ses mines robes. Puis Gab, ben, il s'est changé de chandail 40 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un que j'ai dans mon eau thermale à veine, notre petit format. Gabi, ce petit format là, il va te faire trois. Clairement, il y en a encore dedans, là, mon chéri. Ton eau à veine du colis, tu vas retourner dans la salle de bain et tu te laisser tranquille. Va donc crosser. Ah, oh, petit Gab fait juste tout le temps chanter. J'ai vraiment faim. Gab, arrête de chanter 4 secondes. Non, sur ce. Oh, j'ai faim. Tabarnak! Pourquoi je l'ai fait ce concept-là? C'est à ce moment que j'ai une idée pour essayer de fourrer le système. Elle est pas conne, la fille, vous allez voir. Tu sais, qui finit en premier peut manger un petit sac de chips. 1, 2, 3, go!
jusque dans tout le gars. Hey, il y aura ça! Ben, je l'ai fait. Ensuite, j'ai sorti nos deux imbéciles préférés au bord. Inquiétez-vous pas, on avait amené des bonbons. Puis on a mangé des bonbons. Il fallait, s'est même fait mordre le doigt. Bref, le lendemain, je me suis réveillée avec une tête de cul. Non pas parce que j'étais en lendemain de brosse, parce que j'ai pas bu. Je suis juste vraiment dégueulasse le matin. Si le sort enfonce, imaginez-moi. Si je mange la moindre trace de bonbons le matin, je vous pète la gueule. Tu m'en donneras ta conséquence, là, moi, d'affaire. Ok, mais on va te donner la pire des conséquences parce que c'est toi le pire, là, à date. Genre, tu vas devoir, genre, pisser sur un cheval, debout, puis après ça, tu vas falloir que t'ailles en arrêt de lui, puis attends que je te mette au pied. Faut que tu fasses comme si tu connaissais la personne au service au volant. Oui, bonjour, je vais te prendre 3 burritos déjeuner, s'il te plaît. 10-12 sachets de salsa, s'il te plaît. Allô? Merci. T'es pas le frère à Sébastien? Non. Ah! T'aurais pu dire oui. Ben, je vais aller manger mes burritos. Salut! Ouais, là, ouais. J'ai vraiment eu l'air d'un esti loser. Ben, là. C'est ça le but. Bonjour, c'est bien les 3 burritos? Oui. Hein? Salut, ça va? Ça va, toi? Ben oui! T'es la cousine à Clémentine? Non. La sœur clandestine? J'ai vraiment l'air d'un sans-dessin, là, mais... J'avais demandé 10-12 salsa dans mon sac, là. J'ai juste pas que vous les oubliez parce que je suis vraiment, genre, lover in the salsa. J'adore la salsa. Oui, maman. C'est bon, parfait. Merci, cousine! Bon, là, j'ai vraiment l'air encore d'un esti de paix. Là, vous me demandez plus rien, là. Là, là. Mais pour de vrai, moi, je pense que je commence à avoir des brûlements d'estomac. C'est même pas pain brun. Hey, c'est plate, hein? Es-tu bon, ton burrito? Oui. Je peux te sentir? Oui. Et moi? Tu veux manger ça, Tommy? Wow. Ah, oh, Farid, là-bas, là, tu veux-tu aller chercher? Pardon, pour lui. C'est quoi? Ah, oh, ben, laisse-moi aller ici. Excuse-moi. Je me demandais si ça me fait un pain brun, j'aime mieux pain brun. Tu veux goûter, Annie? Ah. Sans ce parfum délectable. Oh, mon Dieu, c'est tellement chimique, là. Ah, je sais pas comment faire. Tu fermes ta gueule. Sérieux, mange la corde, les amis. Donc, voici le déjeuner de moi et Farley. Yeah. Là, les amis, j'aimerais juste savoir, est-ce que je peux me faire un café? Faut que tu réussisses un challenge avant. Laisse tout le monde dans la rue regarder tes seins pendant 10 secondes. Down. Pour qu'Ali puisse boire un café, il faut qu'elle nous montre son historique de recherche sur son téléphone. Moi, je suis toujours sur le navigateur privé, donc ça peut comme pas m'arriver. C'est dégueulasse, toi. Est-ce que ça s'accompagne comme un candy? Ben oui. Urk! Ça, c'est pas un bonbon. Ouais, mais non. Chut! Dans les commentaires, pouvez-vous me dire si genre, j'ai raison de faire une conséquence à cause de ça? C'est dégueulasse! Hey, c'est beau là! Voyons! Puis à ce qui paraît, ça c'est pas le protéiné que tu as de l'énergie. Oh merci! C'est pas des bébés de genre de toute façon. Croc, croc, croc! Est-ce que tu sens les petites pattes? Ta gueule! Ça goûte-tu bon? Non! Et regarde, je les vois dans ta bouche! Mm-hmm. T'aimes ça? Non. Ça goûte la bouffe à chien, genre. Comment ouais. Tu sais c'est quoi? Est-ce que ça sent sa goutte? J'ai mon petit déjeuner, j'ai mon café. Et Farley va lire mon historique de recherche. Ouais. Est-ce que t'aurais peur, par exemple, d'avoir une tumeur sur le colon? Je fais une coloscopie ouais. La semaine prochaine. Donc, c'est vrai. Bacon to that. Bacon to that, C-pack pack. Oh mon Dieu. Chronique définition. Tu savais pas que ça voulait dire quoi, chronique? Gluten dans les tomates? Comment remédier à sa dépendance au sucre? On est en train de faire un challenge. Plus de bonbons. Entorse coccyx en allant à la selle. Mourir diarrhée. Faim douloureuse avec douleur dans le dos. Ben quand j'avais faim, j'avais mal dans le dos. Mal au niveau du nombril, menstruation. Endométriome ombilical. Tu googles tous tes symptômes, moi? Ouais. As-tu un problème? Est-ce que je peux prendre mon antidépresseur ou il faut absolument que ce soit des bonbons? Chris, là, si tu chanvois, il est pas là. Non, Chris, t'es bête à l'âge, oui!
T'as mérité ton café, ma chérie. On dirait que je commence à manquer d'énergie puis qu'on mange pas de nourriture. Moi aussi. Quelques heures plus tard, on a décidé de faire un petit jeu et de continuer à chialer sur le fait que oh, on fait juste manger des bonbons. On est tanné de manger des bonbons. Ah si, je sais qu'il y a manger des bonbons. Pour vrai, c'est dégueulasse. Genre, là, je suis comme... J'en ai un peu plus. Une chose que j'aime... Ta gueule, toi! Hey, trop lait. Non, c'est couilles pendues. Ah, c'est pas correct. C'est pas de couilles pendues. Oui, oui, oui. Ces couilles là, ils vont genre. Ils doivent être genre une coquille aux couilles pour pas qu'ils pendent trop, genre. C'est vraiment pas vrai, là. Par rapport. On a acheté les bonbons les plus surettes qu'il y avait à la commère. C'est des bonbons français. C'est écrit en arrière: attention, certaines personnes ont eu les gencives brûlées. Oh mon dieu! Bah, ça donne la chair de poule. Et ça. Nous allons peut-être mourir. Le challenge, on le met dans notre bouche sans faire de face. Ah, oh, je le regarde puis j'ai déjà le goût de faire une face. 1, 2, 3, go! Yo, yo, mes dents! Je sais pas si c'est parce que c'est vraiment pas le surette pantoute ou si c'est parce qu'on a tellement mangé de sucre qu'on le sent plus. C'est quand même surette là? Non. Ah ouais? Non, vraiment pas. On prend un but. Le surette là, la gang, mais non. Ok, le but est surette. On trouve ça drôle. Vraiment que je suis épaisse à ce point. Et Airheads, comment on appelle ça? Sour Patch Kids. Warheads. Tu sais là, les petits bonbons de surette là, avec la tête, c'est pas... Warhead. Moi, c'est le bonbon le plus surette que je connais, je pense. Tu le connais? Ouais, il habitait en face de Chinois. Hein. À ce point-ci, je sais pas si c'est la fatigue due au manque de nutriments ou le taux de sucre trop élevé dans son sang, mais Farley s'est mis à nous freestyler du rap. Yo, 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 c'est les bonbons, bonbons, bonbons pendant 24 heures. On a plein de cul, et midi. Midi, midi, ça veut dire dîner. Nous, on peut pas... fucking dîner, on veut vraiment manger d'autres choses que des gommes. Gabi c'est le pire, Gabi il veut pas rien manger. Gabi nous a dit qu'il n'est pas vraiment à faire ce challenge. Fait qu'il allait tricher à chaque crise de repas. Wow! Hein? Ah! Oh, c'est ça? Oui. Wow! Le médecin il m'a dit qu'il arrivait dans 5 minutes. Oh, on l'attend! Il est en vient de temps de se repousser pisse. Oh, le médecin il est là! Allô? Bonjour, moi c'est Dr. Pussy PS. Ouais, on t'a déjà vu. Oh. Fait que là, je vais prendre vos organes vitaux et on est combien de temps? Il reste combien de temps au challenge? Je vais prendre nos organes vitaux, comment on va faire pour vivre après? Combien de temps il reste au challenge? 6h44. Selon mes calculs, vous devriez être en mesure de mourir dans pas bien longtemps. Ouvre ta bouche. Oh, j'ai mal au ventre. Oh mon dieu! T'as une vis à l'aigne, hein? Enlève tout ça de la gueule, ça presse. Ouais. Toutes gens, tes dents sont en train de crier à l'aide, ils peuvent pas respirer, pis. Tu ris? Oui. C'est pas bon le rire, là? Des fois, ça peut endommager le système nerveux. C'est peut-être pour ça que je suis vraiment nerveuse, parce que je ris beaucoup dans la vie. C'est ça. Ah! Ça chatouille, madame! Pousse et bus. Non. Répétez? Non. Bon! Non! Ça pue la merde! Allez! Je vais vomir. Non, je vais vomir, je suis trop sensible aux odeurs de pète. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens la mauvaise voix. Hey, en tant que docteur, là, je vais te laisser mourir. Toi aussi, ne gris pas, là. Toi, là, tes organes vitaux, là, sti, ils sont bien corrects, tabarnak, parce que tu manges un burrito. Tu es assez lette. Sérieusement, là, je vais mettre ça dans ton dossier. Gros lette. Toi, ben, tu vas déjà pour mourir avec toutes tes maladies, fait que je reviendrai pas à la fin du challenge, ça vous va? Ok. Vous avez un beau pion passant. De faire ceci. T'as le droit de choisir entre une des deux assiettes. Et ta marnaque. Puis l'assiette que tu vas choisir, tu vas pouvoir la manger. Sauf que il y en a une qui a du très bon spaghetti sauce à la viande. Ok. Et l'autre, c'est du très bon spaghetti bonbon. Non. Des yeux planés de gommis, des bonbons spicy et du sirop d'érable. Je suis stressée, là, j'ai vraiment pas envie de manger un vieux spag sucré, là. Toi, tu sais c'est lequel? Pas de prête. Non! Oh
Oh, c'est vraiment plate parce qu'il y avait un beau spaghetti ici. Moi, je me suis prendre, lui? Non, toi, tu te décalisses. Tu veux manger? Ouais. Bon, tu vas le faire aussi. Il pensait qu'il allait pouvoir juste prendre le spaghetti que Farla n'a pas gagné. Mais non, faut que tu le mérites. Les calices de ce petit tabarnak. Oui. Ah! Yes! Dans tes dents, aussi! Faites-moi là aussi. Hey, si tout le monde pogne les bonbons, là, c'est vraiment chien, là. Go! Tu y as touché. C'est très froid. C'est bon, ben, à table. Moi, je mange pas finalement. Il va rester sur sa faim. Oh! Oh non, t'as pogné un jelly bean épicé? Oui. Oh! Non. C'est franchement dégueulasse avec du sirop d'érable. Hein? Moi aussi, j'ai de l'épicé. Pourquoi? J'ai même pas mangé un jelly bean. C'est peut-être juste mon haleine. Non! Il y a combien de temps, là? Il reste 4h15. It's just spaghetti. Parfait. Tu dois faire la conséquence que j'avais dans ma tête. Parce qu'il faut que je m'en aille en 15 minutes. On peut dire que Farla a été sauvée par la cloche parce qu'elle n'avait pas le temps de faire sa conséquence. On a le temps. Non, on l'a. Par contre, je sais pas pourquoi on l'a pas sur caméra, mais Gab s'est clenché une assiette de spaghettis à la viande. Fait qu'inquiétez-vous pas, on s'en va faire des conséquences en public. À ce point-ci de la journée, il restait environ 3h30 au challenge. J'avais des moments où j'avais beaucoup d'énergie, mais ça droppait drastiquement après. Honnêtement, là, j'ai vraiment les batteries à plat. Là. Même si je mange plein de sucre, là, mon corps il est comme ça. Là. Ben oui, mais c'est sûr aussi, t'as pas. Oh. Moi, c'est moins pire parce que j'ai mangé. Deux repas. Ouais. Ça en va en public pour faire des conséquences. Oh, je suis stressée. C'est ici Morissette qui demande à des inconnus les directions d'une place que tu devrais aller. Mais tu vas aller dans l'autre. Ouais, ça c'est bon, ça je serais bien. Monsieur, excusez-moi, la place Sainte-Foy, c'est de quel côté? La place Sainte-Foy? C'est par là. Par là-bas. Là, c'est place Laurier. OK. Là, c'est place Sainte-Foy. OK, parce que là, il y a des toilettes, là, puis j'ai vraiment une grosse envie de chier. Ah oui, c'est vrai. OK, je vais aller là. Fait que c'est par là-bas. Comme ça, par là-bas. Là, c'est la place Sainte-Foy? Oui. Ah, OK, ça. Parfait. OK, merci beaucoup. Okay. Il me reste 2h17. Et 30 secondes. Tellement mal au cœur. Après ça, on est allé voir une game de badminton. Vous savez déjà pourquoi je vous montre pas d'image de ça. Puis là, on s'en va souper. On vient d'arriver à table. J'ai pas encore commandé. Je pense pas que vous compreniez à quel point j'ai faim. Gab a enlevé ses Invisalign pour laisser ses dents respirer. Et à seulement 3 minutes de la fin du challenge, j'ai abandonné. Mais non! L'avion va rentrer! Malaise. Pour vrai, je l'ai têté, ça goûtait bon, je l'ai mis dans ma bouche, je me suis brûlée. Et c'est sur cette image que se termine la vidéo. Merci d'avoir regardé, tu peux liker et t'abonner, puis même aller donner du sang. Ça n'a pas rapport avec la vidéo, mais c'est quand même une bonne action à faire. Donc, merci d'avoir regardé, puis à bientôt!